Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission « Être une voix pour les sans-voix ». Si vous vous en souvenez, à la fin du mois de juin de cette année, Le Pain Quotidien, en partenariat avec La Voix des Sans-Voix et Faradja, une association qui œuvre en faveur des réfugiés à l'est du Congo, en RDC, vous présentait un projet de mission pour venir en aide à ces personnes réfugiées à l'est du Congo. En voici le contenu. Un vélo pour l'aide-marche, tricycle. Oui, tricycle. Qui est déjà gâté, en mauvais état. Oui, dans un état là, qui ne peut pas même la permettre de faire un mouvement ici jusque-là en bas, sur la grande route. Maintenant, elle se demande avec ça, comment est-ce qu'elle va rentrer à Rutshuru Kabiji. C'est ça son inquiétude. D'accord. On a pris note de ça. Garda, la semaine à ski, hein. Oui, on se fait mungu. Déjà, on se fait en direct. Bonjour. Kwata itinga, mina rudia gitu. Sasa tena nitambale, tena hakuna amani. Asema na nyumba yetu barisha izunguka jamani. Siko ene barizunguka. Allô, on est en train de venir, hein. On est en train de descendre. J'ai 3 000 restants dans ma poche. Ah, oui. Tiens. C'est qui tout? Il y a une marque qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Uyu, munga kubariki. Amen, amen, amen. Maria, tu t'accoules, amen, amen. Aujourd'hui, c'est amen. Munga m'a engagé. Amen. On va penser à ton vélo. Dio. On va penser à ça. Aseme, attendez, on va s'adjuer à une kinga ya ko. Dio, Dio. Il m'a bien que c'est arrivé. Yeah, oui. Il est arrivé comme bien. Elle s'appelle comment? Zerida. Zerda. Zerida. Zerda. D'accord. Allez, Djambo, comment on dit au revoir? Au revoir? Bien, bien. Au revoir, ni. Bye bye. Bye bye. Zerda. Zerda. Frangine. Au revoir, Frangine. Ah, c'est mon cadeau ça. Regardez le cadeau que j'ai eu là, c'est trop fort. J'ai eu mon cadeau à moi. Je rentre à Kinshasa avec. Trop fort. Merci Zerda. Au revoir. Je vais me régaler. Nous t'adorons, nous t'adorons.
Grâce à vos prières et à vos dons, ce sont plus de 1600 personnes qui ont eu accès à une aide alimentaire durant cette mission. Ces 1600 personnes viennent du centre du Congo ainsi que de l'Est et, comme nous le disions tout à l'heure, sont réfugiées dans des camps à Goma. Ces personnes ont laissé derrière elles, pour certaines, leur famille, pour d'autres, leur maison, pour d'autres encore, leur bétail ou leur terre, leur source de revenus. Et elles ont vécu pour beaucoup des atrocités. Elles ont fui une guerre. Ces dons qui ont été apportés peuvent paraître être infimes par rapport à l'ampleur des besoins. Néanmoins, pendant cette mission, les missionnaires nous ont rapporté qu'ils ont pu voir des sourires sur les visages de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes. Un sourire qui relatait le réconfort qu'ils ressentaient d'être soutenus par des personnes qui, à l'autre bout du monde, pensent à elles. C'est donc avec un grand merci que nous voulons venir aujourd'hui de la part du Pain Quotidien, de la Voix des Sans-Voix et de Faradja, pour toutes ces personnes qui, grâce à vous, ont souri ce jour-là. Merci. Cette mission a aussi été l'occasion pour nous de nous rendre compte du quotidien de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants dans ces camps de réfugiés et de prendre l'ampleur des besoins en aide alimentaire, journalier, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans, des besoins aussi en soins et en médicaments dus à l'insalubrité de leur environnement. Et nous avons aussi réfléchi à la façon dont nous pourrions les aider à aller vers une autonomie financière et nous aimerions mettre en place des projets générateurs de revenus pour leur permettre d'aller vers cette autonomie. Que pouvons-nous faire donc maintenant ensemble ? Ensemble, nous pouvons d'abord prier. Prier pour cette nation qu'est la République démocratique du Congo, parce que cette guerre dure depuis trop longtemps. Prier parce que ces hommes, ces femmes et ces enfants, ce qu'ils désirent avant tout, c'est pouvoir retourner chez eux. C'est pouvoir rentrer chez eux, retrouver leur famille, retrouver leur terre et leur maison. Nous pouvons aussi les aider financièrement, si les moyens nous le permettent, et pourvoir donc à leurs besoins, comme je vous l'ai énoncé, en médicaments, en soins, en alimentation, mais aussi pour les aider à aller vers cette autonomie-là. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ces projets et pour votre écoute à cette vidéo. Et à bientôt dans votre émission « Être une voix pour les sans-voix ». Nous remercions grandement l'association Le Pain Quotidien, la fondation Pain Quotidien, et de nous faire arriver une assistance grandiose qu'on ne s'attendait pas. Nous, comme déplacés du site de déplacement de Boulengo. Et sur ce, nous vous prierons de continuer à plaider pour que nous puissions en avoir d'une manière régulière. Et quand nous serons dans nos milliers de retours, que vous puissiez toujours songer à nous, parce que certains vont s'intégrer dans le milieu où ils seront nouveaux et les autres seront dans leur milieu d'origine. Et notre souhait est de vous atteindre et avoir certains numéros qui nous permettront de vous atteindre. Le fait que nous serons toujours ici, merci, nous disons et nous vous en remercions. Merci beaucoup, merci. Super, merci. Merci. Nous les déplacés du site de Boulengo, nous remercions les ONG Faradja qui Pain Quotidien. Amène, Pain Quotidien. Les ONG Pain Quotidien qui nous amène de farine, de maïs et de haricots, aussi de serre. Nous remercions beaucoup parce que nous sommes affamés. Nous n'avons pas des assistances. C'est pourquoi que nous vous remercions de tout ce que vous faites pour nous. Nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous êtes triste quoi? Il faut être content, vous voulez parler aussi? Ah, tu veux faire un mot? Oui aussi. Bien.